parti pour un nouveau question pour un champion. Bienvenue à tous les téléspectateurs et merci à René pour la nouvelle introduction. Question pour un champion présenté par Julien Lepers. Salut. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et moi qui pensais qu'il y avait personne dans cette salle, hein. Oh, ça devrait passer. La dernière fois, il y avait 8 personnes, donc ça allait déjà. Donc, moi j'aimerais qu'on parle un tout petit peu des règles, parce qu'on sait pas toujours qu'est-ce que c'est les règles. On se dit, oulala, oulala, qu'est-ce que c'est les règles? Allez, on balance les joueurs. Eh oui, Julien, c'est parti pour jouer. Alors, je vous rappelle les règles, questions pour un champion. Des questions sur les champions de League of Legends. Et revoici la femme de René qui avait fait de la merde pendant la saison 2. Ah, donc c'est vous qui avez fait de la merde. Oui. C'est très bien, c'est très bien. Oula, si vous reniflez comme ça, ça va pas le faire tout de suite, hein. Il y a des choses pour résoudre ces quelques problèmes nasals. Du genre, il y a le... Un slip. Non, c'est pas vraiment ça que je pensais, mais bon. Jean. Ah, Koshua. Koshura, vous aussi. Tant que. Bon, alors, vous, ça va, hein. Vous avez atteint les 1500 d'élo. Yeah. C'est bien. Oui. Célibataire. Y'a un kenar. Travaillez à la fac. Oui. On m'a dit que vous faisiez un cosplay de Tariq. Mais bon, passons. Bonjour Julien. Bonjour Maud, alors vous êtes une top modèle dans une entreprise de Scooby-Doo, enfin bref, tout le monde s'en fout de ce que vous faites. Merci. Donc vous, votre personnage principal, c'est Vi, dont vous avez suivi le tuto sur la LOL French TV. Ouais. Et vous avez vu l'ultimate, boum, et ça écarte en plus ceux qui sont sur le oui, passé. Oui, mais alors il faut que j'aille uniquement avec ce tour, et en plus il faut que je focus les bons, il y a le Kariaté, le Kariapé, et donc après ils se prennent tous nos coups, on lui met les coups et... Un personnage difficile à jouer. Oui, c'est vrai. Bonsoir Julien. Mais bonsoir Philippe. Alors vous, vous êtes un agriculteur. Vous venez d'où? Ben, de mon cul. De mon cul? Non, c'était une blague. Ben écoutez, c'était super drôle. On peut y aller pour la première manche. C'est le 9 points gagnant! Donc... Alors, déjà... Je voudrais avertir ceux qui font le mariole avec les buzzers, hein, c'est pas fait du tout pour ça, on vous coupe la tête, donc vous restez aligné avec les buzzers. Sinon votre tête c'est dans le caniveau, je vous préviens, je vous le dis une fois, je vous le dis pas deux fois, donc c'est bon. On va passer tout de suite à la première question, et c'est une question à 9 points. Quel champion? Oui Jean! Darius? Exactement! Mais regardez-le, quel skill! Quel skill! Bravo! Quel skill! Alors, vite fait, je précise, quel champion, utilisant une hache, uniquement pour dunk, c'est Darius, c'est bon. Et donc maintenant, si vous voyez ce qu'on a fait, on a pris votre elo pour les points et on l'a multiplié par 2. Mais je vois que vous avez pas vraiment d'elo, hein, Philippe, hein, 500 c'est pas beaucoup. Bon, prochaine question, quel champion poisson? Nami. Très bonne réponse. Bravo. Donc Nami, c'est un champion qui a rejoint la ligue récemment, qui n'est plus beaucoup joué, hein. C'est une sirène, mais que l'on peut considérer comme un poisson. Et donc, les points, 3 pour Christine, 2 pour Maud, 3 pour Philippe. Question suivante, quel champion mécano, assis sur son siège mécanique, brûle ses victimes à l'aide d'une... Oui, Christine. Bumble. Oui. Oui, mais c'est pas Bumble qu'on dit, hein, c'est Rumble. Voilà, comme ça vous le savez. Donc vous avez compris, c'est re au lieu de buzz, c'est pas compliqué. Non allez, c'est bon, je vous embête, on reprend. Les mains sur le buzzer s'il vous plaît. Attention à la question, quel champion, normalement tanky, mais qui peut... Sion? Non, mais qui peut se jouer avec des dégâts... Malphite? Non, toujours pas. Des dégâts qui peuvent être des coups critiques lancés à partir de son premier sort, le Han. Oui, Philippe. Plank. Oui. C'est très bien. Allez, on enchaîne tout de suite. Question 9 points, quel champion, Kariade, a reçu... Crabbar. Non, a reçu un thème... Ezreal. Bravo, Christine. Ah, ça fait plaisir de voir que vous faites plus de merde. Donc, une question sur Ezreal, pourquoi? Eh ben, Riot a décidé de faire un skin, qui est un thème à 3150 RP, qui leur a donné beaucoup d'oseille, voilà. Donc il vous reste vous, Philippe, et vous, Maud. Alors, prochaine question, quel champion, quand on met son ultimate, fait « Oh !» Oui, Maud. Mordekaiser. C'est ça, Maud, bravo. Oui, bon, ne nous affolons pas, hein. Prochaine question, donnez-moi le nom de ce champion qui aurait pu faire d'excellentes baguettes s'il n'aurait pas été dans les champs de justice.
Panthéon. C'est ça, Philippe. Je veux le nom d'un champion qui met plutôt tons of damage. Olaf? Non, Philippe. La Lolfresh TV, dans sa chanson Le Timo Aveugle, lui a souvent reproché de pouvoir one-shot. Oui, Maud. Régard? Exactement. On passe à la dernière question. Alors, quel champion, qui est plus du tout joué, malheureusement, est porté sur le dos d'un cochon? C'est Johnny. Oh oui. Oh oui. Oui, bravo, Maud. Eh bien, Philippe, c'est dommage que vous nous quittiez, hein. C'est déjà la fin. Bah oui, hein, c'est dommage. Et vous qui faites un métier d'agriculteur, vous aimez aussi chanter, c'est ça? Oui, oui. Votre personnage préféré, c'est Brand, c'est ça? Et ce que vous détestez le plus, c'est vous retrouver en 5-5 contre une Katarina, quoi. Eh bien, je trouve que les ennemis, la Katarina, ils la protègent beaucoup, hein. Et donc, moi, avec mon ultimate, j'ai créé une chanson et je trouve qu'elle est super bien. Bah, allez-y, chantez-nous votre chanson, ça ne fera que plaisir aux téléspectateurs. D'accord, alors cette chanson, elle s'appelle La Katarina. La Katarina, si tout le monde se met autour. La Katarina, c'est comme si elle était dans un four. Tchik tchik tchik. Aïe aïe aïe. Tchik tchik tchik. Aïe aïe aïe. Eh bien, bravo Philippe, on peut l'applaudir. Oh oui. Nous allons tout de suite passer à la pub. À toutes. D'équitation. Le cheval, c'est trop génial. Pour ta santé, mange au moins une vache à cheval par jour. Yeah.